Pierre-Yves Le Prieul, qui est journaliste à La Croix, a eu l'heureuse idée de mettre ses pas dans ceux de Charles Péguy sur la route de Chartres. Il a refait les différents itinéraires de Péguy avec des amis, dont le petit-fils de Péguy. Ça donne un livre à la fois de voyage et de littérature tout à fait réussi et qui donne envie, à notre tour, d'aller marcher jusque dans les blés pour apercevoir les flèches de la cathédrale de Chartres.